Salut les rebelles intelligents. Alors je me trouve actuellement au séminaire de Sylvain Carufel à Paris où je fais donner une petite conférence demain. Je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur un sujet qui n'a absolument rien à voir. Hier je me trouvais à Londres et j'ai pris le métro. Alors moi je préfère les Uber très honnêtement, mais ça m'arrive de prendre le métro à Londres. Et je suis tombé sur une pub qui m'a littéralement estomaqué. Mais vraiment, je me suis dit, mais comment on peut faire une pub comme ça? J'ai trouvé ça absolument hallucinant. Je vous montre la pub tout de suite. J'en ai même fait un Snapchat hein, que j'ai aussi publié sur Instagram. J'ai sollicité ma communauté parce que je me suis dit, mais comment on peut faire une pub comme ça? Donc la voici. Et donc vous avez vu, c'est une pub d'Aeroflot, la compagnie aérienne russe qui se vante qu'elle a été désignée par une agence ou un cabinet que personne ne connaît comme étant la marque la plus puissante du monde. Mais alors, honnêtement, je vous demande de mettre en pause la vidéo quelques instants pour réfléchir à ça, en quoi cette pub est ultra mauvaise. Une bonne publicité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'adresse au prospect pour le convaincre de devenir client. Et pour ça, elle va essayer de convaincre le prospect qu'il y a un bénéfice à passer par les services de l'entreprise, à acheter un produit, etc. Et du coup, quand on analyse à travers ce prisme la pub d'Aeroflot, on se rend compte qu'ils ont fait une erreur qui est pourtant classique, qui a été déjà expliquée à peu près 17 milliards de fois dans différents cours de marketing, de vente, etc., à savoir qu'ils se sont gourés de cibles. Parce qu'ils ne s'adressent pas à leurs prospects, ils ne s'adressent même pas à leurs clients, ils s'adressent à eux-mêmes. Ils sont en train de dire « on est les meilleurs ». Ils parlent d'eux au lieu de parler de ce qui intéresse les gens. Honnêtement, mais comment on peut, dans un esprit logique, se dire que… Déjà, dire et même ensuite convaincre, c'est encore une autre chose. Des gens qu'on est la marque la plus puissante du monde, ça peut déclencher des ventes. Qui, après avoir vu cette pub d'Aeroflot qui dit que c'est la marque la plus puissante du monde, va avoir envie vraiment de passer par cette compagnie aérienne? Mais je trouve ça hallucinant. Parce que déjà, il y a plein de gens qui vont voir ça, qui vont rigoler en disant « mais les mecs, vous n'êtes pas la marque la plus puissante du monde, arrêtez de rigoler, on ne connaît même pas ce cabinet. Vous avez, c'est sans doute un petit cabinet d'Ukraine ou d'Ouzbékistan que vous avez payé pour qu'ils vous déclarent la marque la plus puissante du monde. » Je pense qu'il y a plein de gens qui vont se dire ça. Et les autres, même s'il y en a qui se disent « ah bon, d'accord », et ils vont se dire « mais alors, qu'est-ce que ça m'apporte à moi concrètement ?» Ça aurait été une bien meilleure pub de dire « voilà, on a été désigné par un organisme sérieux que tout le monde connaît, je sais pas moi, l'Union Européenne par exemple, comme une compagnie qui avait le plus de sécurité par exemple, ou comme celle qui a le moins de retard. » Des choses qui intéressent les gens, des choses qui font que oui, ils choisissent des compagnies aériennes plutôt que d'autres. Je suis aussi curieux de voir votre analyse de la situation dans les commentaires, parce que peut-être que vous n'avez pas la même analyse que moi. Mais retenez ça, il y a des entreprises qui sont des géants, en tout cas par rapport à nous, petits entrepreneurs, qui ont des budgets énormes et qui font des bêtises mais monumentales avec leur budget. Et tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est des opportunités pour nous. Alors, bien sûr, on n'est pas à l'abri de l'erreur non plus, hein, soyons clairs. Nous aussi, ça peut nous arriver de faire des erreurs de communication, c'est évident. Mais ça montre aussi qu'il y a plein de choses à faire encore et qu'il y a encore des gens qui dépensent de l'argent dans des trucs qu'ils n'ont pas compris. C'est un message d'encouragement, quelque part, détourné pour nous qui avons des moyens beaucoup plus limités mais qui sommes souvent beaucoup plus malins. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, les rebelles intelligents. Donc en complément, vous êtes libre de recevoir gratuitement un extrait de mon livre « Tout le monde a payé la chance de rater ses études » et 3 principes pour réussir en tout le domaine de votre vie. Cliquez sur la petite vignette qui apparaît là pour le recevoir. Allez voir aussi cette vidéo complémentaire. Puis n'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à la chaîne et ne louper aucune des prochaines vidéos. Moi, je vous dis à demain 17h pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents. Faites partie des gens qui se bougent et faites partie des gens qui font des pubs un peu plus intelligentes. Ciao.